avec l'anticyclone. Regardez, beaucoup de soleil, peut-être un peu de cirrus sur la partie nord, quelques nuages encore accrochés sur les Alpes, la Corse et des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Les températures en moyenne remontent lundi, remontent également mardi. Je vous rassure, ça va s'arrêter là, mais mardi, nous n'aurons aucune nébulosité. L'anticyclone est véritablement bien installé partout. Maintenant, si vous voyagez, petit coup d'œil dans les autres pays d'Europe, on voit que sur l'ouest, c'est très dégagé, 22 degrés à Londres. En revanche, du côté de Moscou, quelques gouttes de pluie. C'est voilé à Athènes, toujours très beau. Madrid, 30 degrés. Voilà, vous savez tout, n'oubliez pas. Donc lundi, hein, 19h58, passez une bonne soirée sur France 3. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. On ira s'éclater le samedi soir. Ce soir, le monde merveilleux de Patrick Sébastien réapparaît comme par magie. C'est magnifique. De l'émotion, du rire. Mais non, c'est inouï. Ça paraît facile. Mais là, des numéros comme ça, ils risquent leur vie en plus. Hey, hey, hey. Pour cette rentrée, Christian Clavier et Marc Raquille sont prêts à tout voir et à tout croire. Les artistes du plus grand cabaret défient toutes les lois de la physique et vous rapprochent des étoiles. C'est ça, oui. Le plus beau conte de fées de la télé fait frémir le plus grand cabaret du monde. Ce soir, sur France 2. France 3 vous présente tout le sport avec Renault Accessoires Automobiles. La Lituanie a eu raison de l'équipe de France de basket cet après-midi. Tony Parker à terre. Les Français disputeront le match pour la troisième place de l'Euro. Bonsoir à tous. Malgré un show de Tipeee, Tony Parker, le capitaine des Bleus, eh bien la France est inclinée de justesse face à la Lituanie. Alors manque d'adresse et manque de réussite, les hommes d'Alain Weiss peuvent nourrir quelques regrets. Reportage de notre envoyé spécial Jean-Philippe Guillain. Pour aller en finale, il faut prendre l'ascendant sur son adversaire. Âpre, tendue, intense, la rencontre France-Lituanie se joue sur un ultime coup de dé. Les rêves de médaille d'or ou de titre s'écroulent. Il reste moins de 11 secondes et la France a 2 points de retard. Le système prévu pour que Tony Parker shoot ne fonctionne pas. Pire, la balle est gagnée par les Lituaniens. Moi j'étais en train de faire mon dribble dans le dos, tu vois, et après, tu vois, il aurait pu au moins siffler balle sur le côté, tu vois, moi c'est dur de perdre comme ça, quoi. J'aurais préféré louper un shoot, quoi, tu vois, que perdre la balle comme ça, quoi. On va jouer une dernière balle, on a préparé une action pour que Tony puisse égaliser ou avoir même le 2-1, et on nous laisse pas la tenter. Dans cette demi-finale, les Français savent qu'il ne faut pas laisser les Lituaniens prendre confiance. Peine perdue, les Baltes se trouvent les yeux fermés et alternent parfaitement jeu placé et tir de loin. Jasikevicius, le meneur, trouve toujours les bonnes solutions. Seul un exceptionnel Tony Parker, bien aidé par Tariq Abdulouad, évite le naufrage. Mais à l'attaque du troisième carton, la France est menée de 11 points. Forest, accablé par les fautes, ne peut pas trouver ses positions préférentielles. Et c'est Boris Diaw qui sonne la révolte d'un contre venu d'ailleurs. Parker 24 points et Tariq Abdulouad 16 points sont les seuls véritables marqueurs sur le parquet. Les Lituaniens, eux, envoient Massijauskas et Stombergas punir les Français et gagner le bras de fer 70-74. 4 points qui envoient la France vers un dernier match au couteau. Bon, je joue en NBA, hein, je sais enchaîner les matchs et la déception elle est très très grosse, mais bon, je suis assez fort mentalement pour revenir et aller chercher cette médaille de bronze. C'est donc un véritable quitte ou double qui attend l'équipe de France. Une victoire et c'est une qualification pour les Jeux d'Athènes avec la médaille de bronze, une défaite et c'est toute une équipe qui explose. Merci Jean-Philippe. Ce match capital opposera donc demain la France à l'Italie, que les Français ont déjà battu lors de la première phase. Les Italiens en bleu ont posé beaucoup de problèmes à l'Espagne, mais grâce notamment à Navarro, auteur de 23 points et meilleur marqueur du match, les Espagnols s'imposent 81-79, rejoignant la Lituanie en finale de 7 Euro 2003. 3 médailles d'argent, 4 quotas olympiques. Le judo français a retrouvé le sourire aujourd'hui à Osaka, au Japon, où se déroulent les championnats du monde. Le succès aurait pu être total si l'or avait illuminé cette journée. Richard Coffin. Face à la réalité, les formules ne valent plus grand-chose. Littéralement, le judo signifie voie de la souplesse, littéralement. Du judo, voilà.
J'aurais dû faire de la boxe. Osaka, aujourd'hui. Finale des moins de 66 kilos, l'Arbi Ben Boudaoud, champion du monde 99, est opposé à Arash Mires Maili, champion en titre. En 1 minute 30, l'histoire est terminée. Sur un contre, l'Iranien ramasse les jambes du Français et la médaille d'or, l'Arbi Ben Boudaoud se contente de l'argent. J'aurais aimé faire un peu plus d'attaque. On avance un peu plus dans le combat pour voir comment ça allait progresser. Mais bon, c'est ça le judo. Une erreur, bon, il a saisi l'opportunité. Voilà. Une pensée que peut aussi méditer Daniel Fernandez en moins de 73 kilos. Le Français en bleu attaque avant de subir un contre fulgurant. Victoire du Coréen Lee Won-hee. Daniel Fernandez oublie l'or comme Annabelle Erani. En moins de 52 kilos, elle place un Uchimata qui aurait pu lui apporter un hippon. Non, estiment les arbitres. Le combat reprend et la Cubaine s'abonne, finit par l'immobiliser au sol. Voilà, l'abonnement tricolore à la deuxième place continue. Je perds au sol et on m'avait dit de faire attention, mais bon, c'est parti et j'ai rien pu faire. Et c'est surtout le fait que je sens que la médaille était accessible, quoi. Trois médailles d'argent, une place de cinquième, celle de Barbara Rell, c'est le bilan aujourd'hui. Les Bleus espèrent de l'or demain avec Frédéric Jossinet pour être enfin au premier plan. Ralf Schumacher, absent du Grand Prix de F1 d'Italie. Le pilote Williams a dû déclarer forfait en raison des séquelles de son accident survenu lors des essais de vendredi. Il sera remplacé par l'Espagnol Marc Gené. Ralf qui pleure et Michael qui rit. Pas des malheurs de son petit frère, mais parce qu'il a renoué avec la tradition des pole positions. Pour la première fois depuis le 18 mai, Schumi partira demain en tête. À ses côtés, Juan Pablo Montoya. Et juste derrière, en deuxième ligne, Barrichello et Raikkonen. Olivier Panis s'élancera lui de la quatrième ligne après avoir réalisé le septième temps. Sur un autre circuit, à Manicourt, départ en épi à 15h et sous le soleil de la 67e édition du Bol d'Or motocycliste, une course d'endurance de 24h. Après 5h et 32 minutes très exactement de course, les deux machines officielles du CERT, le Suzuki Endurance Racing Team, occupent la tête du classement général. Direction Monaco pour la finale du Grand Prix, c'est de l'athlétisme. L'occasion pour les meilleurs athlètes mondiaux présents sur le rocher d'empocher quelques dollars avant de partir en vacances. Trois Français en lice aujourd'hui avec une jolie perf pour Muriel Urtis, battue par Kelly White, qui n'était pas forcément la bienvenue. Martial Fernandez. Certains souhaiteraient la voir en vacances, mais Kelly White s'en moque. L'américaine est bien présente et toujours aussi rapide. Son contrôle positif au championnat du monde ne l'empêche pas de courir, alors elle en profite. Victoire sur 200 mètres et 30 000 dollars pour l'américaine. Muriel Urtis, elle, couloir 3, se classe deuxième en 22 secondes 41 centièmes, son meilleur chrono de la saison. Sur 400 mètres, Marc Raquille, couloir 7, est un héros plutôt fatigué. Sa dernière ligne droite n'impressionne personne cet après-midi. À l'arrivée, une sixième place, un chrono à oublier, 45 secondes 96, loin du champion du monde Jérôme Young, vainqueur en 45-05. Au saut à la perche, le Français Romain Ménil franchit seulement 5 m45. L'Allemand Tim Lobinger, lui, réussit 5 m91, gagne le concours et nous fait découvrir son vrai visage. Il est temps que la saison se termine. Les athlètes ont sans doute besoin d'un peu de vacances. Et puis une mauvaise nouvelle en revanche pour l'athlète français avec un dossier qui risque d'éclabousser le joli bilan des mondiaux puisque Fouad Chouki a été contrôlé positif à l'EPO lors de ses derniers championnats du monde. Fouad Chouki, le Strasbourgeois, spécialiste de demi-fond, avait terminé 8e de la finale du 1500. Le coureur a la possibilité de demander une contre-expertise mais sa participation au prochain JO, pourrait être compromise. Une info de cyclisme sur route, 83e édition de Paris-Bruxelles, victoire au sprint du luxembourgeois Kim Kirchen de la Fassa Bortolo. Au sprint, les dernières infos en bref et en images, commentaires signés Alexandre Vigneault et Richard Coffin. Une fois n'est pas coutume, le Tour d'Espagne sillonne les routes françaises pour une 8e étape montagneuse entre Cotteret et Plate-Berry. Vainqueur du jour, l'Espagnol de la Honce Joaquin Rodriguez, son coéquipier Isidro Nosal reste leader. La tournée des bises pour fêter ça. Samuel Dumoulin remporte aujourd'hui la 10e et dernière étape du Tour de l'Avenir, courue sur 128 km autour de la Croix dans le Var. Mais le grand vainqueur de l'épreuve s'appelle Egoy Martinez, il est espagnol et s'adjuge cette 40e édition du Tour de l'Avenir. Trou numéro 18 sur le parcours de Saint-Nom-la-Bretèche, le Sud-Africain Retief Goossen termine une nouvelle fois la journée en leader du trophée Lancôme. Ce soir, il pointe à moins 17 devant l'Irlandais McGinley à moins 14. On trouve le premier Français à la 6e place provisoire avec Raphaël Jacquelin à 8 coups de Retief Goossen. Avant le dernier tour demain, le vainqueur de l'édition 2000 a un peu d'avance, suffisamment en tout cas pour se permettre quelques ratés.
Ils sont contents, logique. Ils ont longtemps attendu avant d'inscrire un but. 3-0, match avancé de Ligue 2 hier soir. À la 89e minute, Christian Nadé se décide. 3 l'emporte 1-0 et pointe à la 4e place. Niort est 7e et pas vraiment heureux d'avoir perdu si tard. Toujours en foot, mais en Ligue 1, match avancé de la 6e journée. Lyon recevait Auxerre en fin d'après-midi à Gerland. Les Lyonnais, tenus en échec, tardent à prendre leur envol dans ce championnat. Le commentaire de Laurent Belet. Et revoilà la galipette de Djibril Cissé, premier buteur de ce match à la 29e minute. Ballon perdu par Giovanni Elbert à 35 mètres de Fabien Cole. La suite est typique du jeu auxerrois. Tagno, Kalou, deux passes, on cherche la profondeur, la vitesse et l'adresse de Djibril Cissé. Extérieur du pied droit, juste entre les jambes de Coupé, 1-0 pour Auxerre. Autre ballon perdu, cette fois par les Auxerrois dans leur camp. Juninho trouve Elbert d'une merveilleuse passe de l'extérieur du pied droit. Contrôle et frappe dans la course du Brésilien. L'Olympique lyonnais égalise. Elbert inscrit son premier but sous les couleurs lyonnaises. 1 à la mi-temps et à la fin du match, en dépit d'une occasion de Govou, dont c'était la rentrée après 2 mois d'absence, Lyon un peu poussif aurait même pu s'incliner si Kalou, à 10 minutes de la fin, complètement seul au 6 mètres, avait dirigé son coup de tête. Lyon n'a récolté que 2 points lors de ses 3 derniers matchs. C'est un rythme un peu inquiétant à 4 jours du début de la Ligue des Champions contre Anderlecht. Nous n'avons pas oublié, ne vous inquiétez pas, les volleyeurs français qui disputent en ce moment même leur demi-finale à Berlin dans le cadre de l'Euro 2003. Demi-finale face à la Serbie-Monténégro et le score est à l'avantage des Français, les Français qui mènent 1-0. Et si les Français atteignent la finale, ils seront opposés demain aux redoutables Italiens. L'Italie a battu la Russie cet après-midi. Au-delà d'une victoire, c'est une véritable démonstration. 3-7-0, 25-18, 25-18, 25-16. Vos rendez-vous sportifs demain après-midi sur France 3 avec les meilleurs moments du Tour de l'avenir, de l'athlétisme à Monaco et puis à partir de 16h25, les championnats du monde de parachutisme à Gap, le ciel français paradis des bleus avec des médailles d'or notamment en vol relatif à 5 et en voile contact 4 séquences, des images superbes à ne manquer sous aucun prétexte. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la 3. France 3 vous a présenté tout le sport avec Renault Accessoires Automobiles. Tour d'horizon des points forts de l'actualité avec le journal des journaux tout de suite sur France 3. À 20h55 sur France 3, parce que son père s'est pendu, Sophie Duez revient au pays chercher la vérité, déterrer ses racines qui cachent le plus troublant secret. À 22h55, après Soir 3, au bord du Rio Grande, avec pour seule arme son instinct de survie, Victoria Principale devient la proie de tueurs fous. À minuit 30, Striptease dénude les âmes et leurs consciences pour mieux les habiller de leurs plus belles robes, pour les rendre bien croustillantes. Sophie Duez trouve le secret de sa vie ce soir sur France 3. Bienvenue, voici le journal des journaux, le journal des rédactions régionales de France 3. Le transfert à Paris de deux jeunes gens soupçonnés d'avoir attaqué au cocktail Molotov la gendarmerie de Loury en Haute-Corse au début du mois a provoqué une nouvelle flambée de violence sur l'île la nuit dernière. Les militaires ont été une fois encore pris pour cible, une agression fermement condamnée par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Je sais bien que la solution au problème de la Corse n'est pas qu'une solution policière. Et chacun doit comprendre, en Corse comme ailleurs, que quand on se comporte, on respecte pas les lois, on aura à en rendre compte. Les deux jeunes Corses transférés à Paris ont été mis en examen et placés en détention provisoire aujourd'hui. Sur l'île, le calme est revenu, mais les gendarmes ne sont plus les bienvenus. L'image est forte et les au revoir poignants. Pour ces familles de gendarmes, la soirée était éprouvante. Encore sous le choc, les femmes accompagnées de leurs enfants ont dû plier bagages en fin de matinée. Et ce n'est pas sans émotion qu'elles ont laissé leur mari à la caserne. Destination inconnue pour ces familles, mais le départ s'est fait sous bonne escorte. Quelques mètres plus loin, au café du village, les événements de ces deux derniers jours sont sur toutes les lèvres. Certains habitants ne cachent pas leur écœurement et leur colère. C'est un sentiment de révolte.
c'est pas normal qu'on puisse... Des jeunes du village comme ça, c'est pas normal qu'ils partent sur Paris. Il y a une injustice quelque part qu'on traite ces jeunes comme des terroristes. Et ce sont des gamins. Voilà, ils ont fait une connerie sans doute, mais ça reste des gamins, ce ne sont pas des truands. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. L'État français persiste dans ses erreurs et puis voilà. Hein. À la gendarmerie, pas de commentaires. Après le départ des familles, l'heure est à l'état des lieux et des dommages causés par les événements de la veille. Pour ces gendarmes, le travail continue en attendant une mutation pour ce qu'ils désirent. Mutation qui devrait être décidée en début de semaine prochaine. Nuit agitée également à Saint-Dizier en Haute-Marne. Des petits groupes de jeunes ont incendié des caves, mis à feu une dizaine de voitures et accueilli l'arrivée des pompiers et de la police par des insultes et des jets de pierres. Ils accusent les CRS de provoquer leur colère. Les CRS sont pas là, la ville elle est tranquille. Il n'y a rien qui se passe quand ils viennent. C'est sans dessus dessous ici. C'est l'enfer. Et avant ils faisaient rien, ils restaient, ils patrouillaient. Maintenant ils emmerdent les jeunes aussi, ils les provoquent. Lors de cette soirée, un adolescent de 13 ans a été interpellé puis relâché. Un autre jeune, majeur, a été placé en garde à vue. Plus si simple d'organiser une rave party aujourd'hui. Il faut obtenir des autorisations, respecter certaines règles de sécurité. Et ce n'est pas sans risque pour les organisateurs. Exemple à Tissoulan dans l'Aisne. Il est 10h30, en avant la musique, les premiers rêveurs sont arrivés dans la nuit. Ils resteront les oreilles collées aux enceintes jusqu'à ce dimanche 14h. Une free party encadrée par les services de l'État, si bien qu'Olivier, l'organisateur, a dû se plier à une perquisition des gendarmes, ainsi qu'au contrôle d'une commission de sécurité et a priori, l'extincteur est en panne. Ah, écoutez, je l'ai pris à la poste, à mon travail, vendredi, ce qui signifierait que mon travail n'a pas des... que mon service de la poste n'a pas des extincteurs aux normes. C'est vrai, il n'est pas aux normes ? On est percuté, sérieux ? Un peu plus tard, les pompiers demandent à Olivier d'éloigner du camion les bidons de carburant alimentant le groupe électrogène. Les services de l'État tentent de limiter les risques. 5 à 10 000 jeunes seront présents ce week-end. Vous savez, il y a eu la braderie il n'y a pas très longtemps. Il y a eu aussi des malaises, des gens qui se sont un petit peu blessés. Et il y avait des équipes de secouristes, comme ce soir il y aura ici, pour prendre en charge ces gens-là. Puis c'est au tour du chef de la police de prévenir l'organisateur. En cas de découverte de drogue, attention à la garde à vue. Garde à vue. Car les free parties ne sont que tolérées par les services de l'État. Ici, la sécurité reste très sommaire. Rien à voir avec les grands festivals de l'été. La free party, c'est mon loisir, c'est quelque chose que je fais le week-end, enfin bon, et toute la semaine par le fait, puisque ça m'investit pas mal de temps, mais c'est quelque chose, c'est un loisir, c'est pas un métier. Les bidons d'essence ont certes été déplacés, mais ils se trouvent maintenant tout près des rêveurs. Cette nuit, pompiers, police et gendarmerie devront rester vigilants. L'ouverture de la chasse prévue demain est reportée dans le Var et dans le sud des Alpes-Maritimes à cause des risques d'incendie. Les massifs forestiers sont interdits d'accès. Les fusils vont devoir rester au râtelier. Les chasseurs du Var sont frustrés. Partout ailleurs dans le sud de la France, leurs collègues vont tirer les premiers coups de fusil. Demain matin, seuls les Varois resteront chez eux. Le préfet du département a décidé hier de reporter d'une semaine au moins l'ouverture de la chasse. Les quelques millimètres de pluie qui sont tombés la semaine dernière n'ont pas changé la situation et par conséquent je suis amené à maintenir l'interdiction de fréquentation à pied de l'ensemble des massifs du département et par voie de cohérence appliquer cette mesure à nos amis chasseurs. La décision du préfet surprend les chasseurs. Du 16 août au 11 septembre, ils avaient l'autorisation d'entrer 2 jours par semaine dans la forêt pour tirer les sangliers. Alors que pendant cette période, les températures étaient beaucoup plus élevées. Aujourd'hui, on leur interdit l'accès. On ne comprend pas la position de M. le préfet qui, du jour au lendemain, et à 24 heures de l'ouverture de la chasse, prend une décision en tant que, disons, que responsable du département, mais pour le seul département du Var. Seule la pluie pourrait débloquer la situation. En attendant, le conseil départemental de la chasse se réunira vendredi prochain en préfecture à Toulon pour examiner la conjoncture et peut-être décider de l'ouverture pour dimanche 21 septembre.
La ville de Firminy va reprendre la construction de l'église Saint-Pierre, le seul projet inachevé de Le Corbusier. L'inauguration du chantier a eu lieu aujourd'hui. Débutée en 1973, 8 ans après la mort de l'architecte, l'édification du bâtiment fut interrompue faute de moyens. Aujourd'hui, c'est l'un de ses élèves qui reprend le projet. C'est un peu un dialogue avec Corbusier lui-même, que je pense à Corbusier qui doit bouger dans sa tombe. Il a tellement voulu faire ce projet vis-à-vis du challenge que ça représente. Les travaux devraient durer un an et demi. L'église accueillera ensuite une annexe du musée d'art moderne de Saint-Étienne. Merci d'avoir suivi ce 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité, soir 3. Excellente soirée. Que son père s'est pendu, Sophie Duez rentre au pays. Là, son passé va la traquer. Là, un terrible secret va remettre sa vie en question. Tout de suite sur France 3. C'est donc la grande finale entre Jones et Smith. Les deux joueurs sont extrêmement concentrés. Et c'est Jones qui commence. Ah ouais, très joli coup de l'anglais. C'est très technique, c'est fulgurant, c'est superbe ce qu'il fait. C'est une très belle victoire. Il n'y a pas de temps à perdre. Pendant les jours trop courts, vous n'avez que du 10 au 22 septembre pour vous offrir une Peugeot auprès d'une promo. Dolce Vita de Gaz de France. Inventons ensemble une toute nouvelle idée du confort. Selon vos désirs, votre mode de vie. Dolce Vita, le confort absolu pour chacun de vous. Pour votre appareil dentaire, pourquoi n'utilisez-vous pas une crème adhésive? Pas besoin, mon appareil tient bien. Puis ces personnes ont essayé Fixodent. Pour m'aller, il me va, tranquille. Incroyable, il me va mieux. Avec Fixodent, les appareils adhèrent encore mieux. Ça prouve seulement que tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Fixodent, et la vie a du mordant. Pour des os solides, Ricoré contient du café, mais aussi naturellement du calcium. Ricoré est une force. Ma nouvelle voiture. C'est un vert pomme. Ah non, c'est vert prairie, cuir rouge. Ah d'ailleurs, je voulais te remercier pour l'assurance et les conseils. Et savoir que le Crédit Agricole rembourse le prix de la voiture neuve en cas de vol. Je te cache pas que ça me rassure. Mais enfin, il n'y a pas vraiment de raison d'être inquiet, puisque rouge, vert pomme. Vert prairie. Votre voiture neuve de moins d'un an remboursée au prix d'achat en cas de vol. Dimanche soir, avec Églantine Émeillé et Jérôme Bonaldi, on vous dit pourquoi fait sa rentrée. Le millésime 2003 s'annonce exceptionnel, mais tous les vins ne sont pas égaux devant la sécheresse et la canicule. Les OGM, malgré la peur qu'ils suscitent, les scientifiques veulent poursuivre les recherches. La seule chose qui limite la transformation génétique, c'est notre imagination et nos capacités techniques. La transpiration, un mal nécessaire pour le corps en surchauffe qui intéresse de plus en plus le marché des déodorants. Les volontaires, on ne les connaît pas, on ne voit jamais leur visage, c'est du sniff à l'aveugle. On vous dit pourquoi ? Regarde l'actualité par le petit bout de la lorgnette scientifique, dimanche soir sur France 2. Des pyramides de Saqqara en Égypte, en passant par le Soudan avec les merveilles de Fashoda ou de Khartoum, jusqu'aux sources méridionales du Burundi. De la Méditerranée au cœur de l'Afrique noire, vous suivrez le chemin des explorateurs. Son seul nom évoque l'Égypte, premier fleuve au monde par sa longueur, 6670 km, avec un bassin étendu sur 10 états du continent africain. C'est aussi le plus mystérieux. Sa crudité, longtemps inexpliquée, a fasciné nombre de savants, missionnaires ou officiers de la couronne britannique. Un voyage extraordinaire, riche de 5000 ans d'histoire. Au bout de ce voyage, nous irons boire à la vraie source du Nil. Faut pas rêver, présenté par Laurent Bignolas, part à la poursuite du Nil Blanc, lundi à 20h55 sur France 3.
J'exige la perfection. Elle est, pour moi, c'est la meilleure, la commande. Lady, lady. Micro diffusé, elle est si fine. Elle s'élimine au plus léger brossage. Elle permet toutes les coiffures. Elle ne colle pas, ne se voit pas. Elle nette, un toucher satin, une tenue longue durée. N'acceptez que la perfection. Vous le valez bien. Elle nette de L'Oréal Paris, la star des lacs existe aussi pour les cheveux secs. Ce n'est pas parce que vous portez un appareil dentaire que vous ne pouvez pas prendre du plaisir à manger. Utilisez simplement Polydent pour empêcher les infiltrations de particules gênantes et vous aider à porter votre appareil de manière plus naturelle. Polydent empêche l'infiltration de particules alimentaires et maintient votre appareil en place. Polydent, croquez la vie à pleines dents. Je vois que vous venez d'acheter des Werther's originales. Oui. Quand est-ce que vous les aimez le plus ? Oh, au travail. Je travaille dans un bureau et nous avons toujours des Werther's à la réception. C'est vrai ? Oui, bien sûr, comme ça tout le monde en profite. Et pourquoi les Werther's originales ? Oh, on les aime bien, ils sont délicieux. Vous en voulez ? Ils ont vraiment quelque chose en plus. Ah, merci. C'est pour ça qu'ils sont enveloppés en or. Werther's originales, riches et crémeux, ils sont tout simplement bons. Et vous, quand est-ce que vous aimez vos Werther's originales ? Voici OxyAction, le nouveau détachant de Vanish. Sa formule à l'oxygène actif s'attaque à une grande variété de tâches. La preuve, se bavoir taché. Ajoutez une cuillerée d'OxyAction comme dans votre machine. On mélange. Et regardez quelle efficacité! Vous pouvez aussi appliquer OxyAction directement sur votre linge, la moquette, les tissus d'ameublement. En machine, OxyAction renforce l'efficacité de votre lessive. OxyAction de Vanish et les tâches s'évanouissent. Gana Pure Premium. Rien n'est ajouté, rien n'est enlevé. Pour préserver toute l'élasticité de cette petite robe en fibre moderne, lavage, après lavage, même dans les cas exceptionnels, voici le nouveau roulis de fibre moderne et sa formule exclusive au Pro Elast. Nouveau roulis de fibre moderne pour des vêtements qu'on aime longtemps. Vous savez, il y a plusieurs façons de descendre un escalier. Lundi, Guillaume l'a descendu d'une façon tout à fait ordinaire. Mardi, c'était plutôt d'une façon guillerette. Mercredi, façon pressée. Et jeudi, il l'a descendu de la mauvaise façon. Vous avez eu de la chance, enfin cette fois-ci. Parce que la plupart des accidents ne sont pas indemnisés, Prévialis de La Poste vous assure dans 100% des cas. Mais qu'est-ce que vous faites ? Non, non, arrêtez ça tout de suite. Pour nettoyer vos plaques vitrocéramiques sans les abîmer, il y a VitroClean. VitroClean élimine sans risque toutes les taches et dépose un film protecteur qui facilite l'entretien de vos plaques. VitroClean, le spécialiste des plaques vitrocéramiques. Et pour un nettoyage quotidien, découvrez les lingettes VitroClean avec texture grattante douce. Cet homme pourrait être l'assuré idéal. 20 ans de permis, jamais un accident, une situation stable. Seulement voilà... Pour nous, à la Maïf, il y a un problème. Ces valeurs ne sont pas les nôtres. À la Maïf, ce qui nous unit avec nos assurés, c'est le respect de la personne. Et ça fait 67 ans que ça marche. Rejoignez-nous. Maïf, assureur militant. Sur France 3, à partir du 15 septembre, départ à 18h35 pour Brest, Nantes, Tokyo, Bruxelles, Bayonne, Boulogne, Sydney, Mulhouse. Images, téléphonie, informatique. Avec les magasins Pro et compagnie, passez une bonne soirée sur France 3. Essayez de nous raconter ce dont vous vous souvenez. Qui habitait ces personnes ? Il s'est jeté sur moi. Au domicile de la famille Télène, un homme est abattu. Où étiez-vous ? En boîte. Elle ment. La mère s'accuse du meurtre, la fille disparaît. Il vous a bien appelé ici. Je n'ai pas pris cette histoire au sérieux. Pour qui mentez-vous ? Pour votre époux ? Pour votre fille ? Je vais aller parler à la police. Je n'hésiterai pas à employer les grands moyens si tu m'y obliges. Elle n'est pas rentrée de la nuit. Est-ce qu'elle a emporté des vêtements ? Non. Dites-nous la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Trop de mensonges à l'encontre d'une vérité si peu ordinaire.
Siska demain à 20h50 sur France 3. Pour passer une bonne soirée, on peut compter sur France 3. Thème anti-éblouissement. Cruelle déception pour l'équipe de basket française. Emmenée par Tony Parker, les tricolores n'ont pas réussi à...